président à plat. Mais à cause de un pile préoccupation, tant qu'actuellement là, il n'a pas l'air, il a fait une réunion à tout délégué départemental dans le pays sous caravane. Parce que à partir de 7 février 2018, caravane a dans tout le pays. Ça veut dire qu'il n'a pas quitté le sud. Mais il a dans tout le pays. Donc je dis, il y a une grosse réunion de planification qu'il a fait. C'est ça que fait nous pas un coordonnateur de caravane. Agronome Thomas, tu es là tout, il y a tout dans la réunion. Donc moi-même, en raison de saison pêche là, qui a pas avancé, hein, nous ne voulons pas faire pêcheur Chadonia, pêcheur Tiburon, pêcheur toute commune qui concerne eux souffrir plus, nous venons là faire cérémonie ça pour nous remettre yo équipement qui vient à eux-mêmes. Vous pouvez faire. Faut que nous disions que pêche là sont sous-secteurs que liés de grands secteurs agriculture. Pêche là, si tellement important pour nous, dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafontaine te remettre moi-même comme ministre de l'Agriculture, pêche là parmi les sous-secteurs prioritaires. C'est ça qui fait que même là, nous avons fini de recevoir la feuille de route ça. Nous et le directeur pêche aquaculture rapidement pour nous faire un diagnostic pour nous vraiment connaître le problème sous secteur. Nous connaissons le problème. Le problème, nous sommes là tout. Nous connaissons le secteur pêche là, il y a un gros problème d'équipement. Pas même dans le magasin qui vend équipement matériel pêche. Nous-mêmes, dans le DTRO, dans quatre projets, ça, pour nous rendre équipement à matériel disponible. Nous connaissons, pêche là, il y a un problème de sécurité en haute mer. C'est ça qui fait que notre travail, si l'équipement ça nous est là, ça n'a pas rien. C'est un coup agronome et là, c'est ce dit là. Ça, il travaille dans toute activité, tout, que caravane a bien pour mener sous côte là. Ça nous est là, on va le distribuer là. Je dis à eux, c'est enquête là ça. N'a multiplié par 10 qui pourra faire équipement et matériel de pêche que caravane a bien pour commencer à distribuer tout après encadrement et renforcement pêcheur dans moins de 2 mois. Et bon, l'autre bagaille, on va le dire là. Nous avons souhaité ces Chadonia nos premiers deals. Projet président pour toute zone côtière ça yo, mais qui vraiment réunit en association jam. C'est mettre dans toute zone ça yo des bateaux factory qui pourraient pêcher dans haute mer, bateau ça réfrigéré et le vini puis près ça pas costé l'autre petit bateau que n'a distribué ça yo al point poisson dans bateau ça pour bateau retourner en haute mer encore. Donc ça c'est Chadonnière nous premier bail nouvelle ça. Ce sont des factories, des bateaux factory de pêche. L'autre bagaille que n'a dit encore, dans pile travail qui peut aller pour faire, yo prévoit dans même projet ça faire des ports que yo pral construire dans une série de zones ciblées. Moi-même de par présence, moi aujourd'hui, moi j'ai choisi Chadonnière pour bénéficier de yon port débarcadère pour que poisson yo capable de gagner de l'autre bateau qui vient pour yo, qui vient porter, qui vient point pour aller vendre l'autre côté tout. Donc ça veut dire que ça qu'a fait là, c'est pas rien lié.
pour moi même particulièrement, c'est feuille de route là qui a marché. Donc, nous comptons sous compréhension, non? Parce que diagnostic à Manon que environ nous avons plus de 50 000 pêcheurs dans le pays qui répartis sur 420 villages. Dans la caravane, dans tout, il y a un village pêcheur qui pourrait le faire. Ça, je ne peux pas entrer là-dedans. Nous seulement nos nouvelles là. Et c'est pour nous veillatifs, comme moi, nous avons des autorités locales veillatives. Donc, depuis le village après le fait, Chadonnière a besoin de parler. C'est, je dis, là, c'est une première vague de distribution. Donc, première vague de distribution, ça, il n'est pas entré dans le mécanisme de cofinancement. Le mécanisme de cofinancement, il prend un autre programme qui prend commencer dans le jour qui vient pour venir là. Donc, avant le coup, ça, je dis, là, li, pour le département sud, là, nous avons 5 associations qui ont bénéficié de bateaux. Donc, au total, nous avons distribué 5 bateaux, je dis, 5 bateaux avec GPS, parce que nous connaissons l'ombre aller dans la mer, mauvais temps cabaret, il faut qu'on gagne position géographique. Donc, son petit appareil qui à peu près gros son téléphone qui pourrait permettre que. Ou qu'on est un pêcheur, c'est mon chadonnière, il y a des coordonnées chadonnières. Si mauvais temps barré sur le terrain, et bien l'entrée coordonnée, et bien la menel chadonnière directement. Donc, on a formé pêcheurs sur ça. Nous avons 25 kits, 25 gilets de sauvetage et 13 moteurs. Association qui pourrait bénéficier de bateaux, c'est KDPL. Et c'est KDPL qui a bénéficié d'un bateau. Deux moteurs, trois kits de pêche, deux gilets de sauvetage, un GPS et un galon d'huile. Il y a KP4BF, donc association dans la zone Foucault-Baselin, est-ce que vous là? Vous même, vous avez bénéficié de un bateau, deux moteurs, deux kits de pêche, deux gilets de sauvetage, un GPS, deux galons d'huile. Mais APEC qui a bénéficié de yon bateau, yon moteur, deux kits de pêche, deux gilets de sauvetage, yon GPS, yon galon d'huile. MPL, donc c'est les Anglais, qui a bénéficié de yon bateau, yon moteur, deux kits de pêche, deux gilets de sauvetage, yon GPS et yon galon d'huile. Des APB, bon parti Buon, qui a bénéficié de yon bateau, deux moteurs, deux kits de pêche, deux gilets de sauvetage, yon GPS et deux galons d'huile. Et l'autre association que m'a cité, donc qui ont même pas bénéficié de bateau et de moteur, yon même y a bénéficié de kits de pêche et de gilets de sauvetage. Mais sachez que qu'on est que nous, dans la première vague de distribution, ça, hein, le ministère a gardé qui association qui est plus vulnérable et il a gardé tout qui association qui a même gagné au minimum déjà. Et troisième aspect, bateau yo, généralement yo permet que l'association ait pêché sous DCP, garder qui association dans qui commune qui déjà gagné DCP qui peut l'installer. Et même pas de parler de DCP, nous avons 25 DCP qui sont disponibles. Donc, et nous avons dans toute commune, nous allons regarder qui côté qui gagne DCP déjà et qui côté qui besoin l'autre, qui côté qui pas gagné pour nous faire répartition DCP. Yo. Donc, pour qu'on y a, pour journée aujourd'hui, le programme, le ministère, là, li gagne pour le travail, que Agonam Lou peut-être pas dit ça, sous loi qui régit la pêche en Haïti.